Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la Oka One One Transport. Après la Project Clifton qui est dérivée de la Clifton modèle route, là c'est pareil, on est sur un modèle à usage urbain et quotidien. Donc un modèle très confortable avec un drop de 5 mm. Une semelle intermédiaire, c'est là où c'est assez intéressant, composé de 30% de canne à sucre. On est sur un mesh Cordura. C'est pas des matières animales, c'est une chaussure vegan. On est vraiment sur des matériaux écologiques, éco-responsables. C'est ça qui confère à cette chaussure son côté vraiment méga intéressant. On a un pare-choc sur le devant du pied qui est pas mal parce que par exemple là ici je suis sur un terrain de pétanque, ça se voit pas, mais mettons j'enfile mes chaussures et je vais aller jouer à la pétanque avec les potes. Si je me prends une petite boule de pétanque sur le dessus de pied, je vais être protégé. Bon voilà, c'était une petite parenthèse rigolote, mais voilà, on est sur un devant de pied plutôt assez flexible sur l'avant-pied. Donc pour marcher au niveau du déroulé, c'est cool parce que c'est un déroulé naturel. On a un petit peu moins de flexion au niveau de la torsion latérale de la chaussure. Ce qui est pas mal, c'est qu'on est sur la semelle extérieure Vibram. Donc Vibram, on connaît hein, sur les chaussures de trail notamment. Vibram, c'est connu pour son accroche et son adhérence sur les sols mouillés. Donc là où c'est intéressant, c'est que quand vous allez être en ville et que vous allez marcher sur un sol glissant, ça va continuer d'adhérer et accrocher. Et surtout, c'est très très robuste. Ensuite, la petite languette qui peut servir à tenir sa chaussure. On est sur un système de lassage rapide. Alors ça, c'est super cool, on peut facilement laisser le serrage et enfiler sa chaussure directement ou après ajuster, puis il y a une petite languette de passage pour faire tenir le lacet, et ils ont fourni un deuxième lacet classique, ce qui fait qu'on peut retirer le système de lassage rapide, il y a les œillets qui sont faits pour et on peut insérer les lacets classiques. On pourra l'utiliser pour de la randonnée. Au niveau de la languette, on est sur une languette qui est vraiment très moelleuse et confortable avec un élastique qui va vraiment se mettre sur le tour du cou de pied, une semelle intérieure amovible qui se retire et avec une matière au niveau de l'assise du pied qui est vraiment respirante. Elle est vraiment confortable et moelleuse aussi sur le contour au niveau de la cheville et au niveau du talon d'Achille. C'est hyper appréciable parce que c'est un modèle aéré, naturel, et je vous en dis beaucoup plus dans mon retour test écrit, mais en tout cas c'est un gros coup de cœur à porter au quotidien.